Bon. Ah! Tiens. Bonjour, je m'appelle Mathieu Simard et j'ai écrit un livre. Le premier tome d'une série qui s'appelle Les Pranks. Ma plante, moi et le livre, on est ici pour vous présenter l'un l'autre. Alors, le livre va vous parler de la plante plus tard, mais moi, je vais vous parler du livre et personne ne va parler de moi. Dans ce livre-là, il y a un frère et une sœur qui s'haïssent. Mais ils s'aiment. Mais ils s'haïssent. Mais ils s'aiment quand même. Prank, c'est leur nom de famille. Charlotte Prank et Fox Prank. Ils s'appellent pas vraiment Fox. C'est pas son vrai nom. C'est un peu compliqué. Pas compliqué du tout. Et dans ce livre-là, il y a un paquet de mauvais coups, de plus en plus cruels, de plus en plus violents, de plus en plus drôles. Dans ce livre-là, il y a un personnage qui est recouvert de sauce au chocolat dans le stationnement d'un Dairy Queen. Il y a deux chapitres qui se passent à la ronde. Il y a l'histoire de la fois où Pepsi a été propriétaire de 17 sous-marins nucléaires russes. C'est vraiment arrivé. À la page 61, il y a une de mes blagues préférées. Il y a quelques pages blanches, hein, à gauche, au début des chapitres. Juste pour que vous sachiez dans quoi vous embarquez, c'est 320 pages, 315 pages, mais il y en a comme 7 ou 8 qui sont blanches. Il y a un personnage qui déboule un escalier. En fait, il y a deux personnages qui déboulent un escalier à deux moments différents. D'après moi, l'auteur a manqué d'imagination. Il y a 17 fois le mot YouTube, 12 fois le mot TikTok, 4 fois le mot patate, 2060 fois le mot je. C'est un livre à la première personne. Dans ce livre-là, il y a une photo de moi quand j'avais 16 ans. C'est en arrière du livre. C'est cette photo-ci. Je ne sais pas si on la voit, mais j'espère que non. Dans ce livre-là, il y a une fin qui n'est pas vraiment la fin. Il y a le mot débécherellisé. Ça n'existe pas. Je fais ça, moi, j'invente des mots. Excusez. Et donc, il y a tout ça. Il y a tout ça dans ce roman-là. Je vous invite à découvrir vous-même où sont toutes ces choses. C'est un livre pour les jeunes de 11 ans et plus. Il n'y a pas vraiment d'âge. Et c'est sûr que si c'est un bébé de 2 ans, il va peut-être moins triper. À partir de 11 ans, 14, 18, 63, 51, 23, 12, ça marche. Voilà. Voilà, mais c'est mon livre.